Moi, je suis Marc-Olivier Valère, je suis curateur, aujourd'hui curateur indépendant. Je suis fondateur et directeur de la Chalet Society et j'ai été pendant 6 ans le directeur du Palais de Tokyo à Paris. Ils ont fait appel à moi en me disant on aimerait lancer un peu la première Art Commission d'Audemars Piguet. On aimerait réfléchir avec toi sur son concept et sur les premiers artistes à inviter. Le choix du jury qui s'est porté sur Robin Meyer a été, après discussion, assez évident. Le fait de travailler sur l'idée de la synchronicité, par exemple, d'essayer de pointer, en quelque sorte, en dehors du monde de l'art, des façons de faire, des façons de voir, a été, je crois, très important pour la décision du jury. Je pense que dans l'idéal, il y aura évidemment une expérience qui est assez particulière, mais dans l'idéal, ça irait au-delà. Je pense que dans l'idéal, les gens ils ont cette idée de l'organisation, de la nature, de l'auto-organisation, de quelque chose qui peut émerger de rien. Ce que j'ai envie de montrer à Bâle, c'est des lucioles qui clignotent, qui sont très particuliers parce qu'ils arrivent à se synchroniser entre elles. Et je veux montrer ces lucioles, je veux influencer leur comportement, leur clignotement, avec des lumières artificielles. Il y a toujours une prise de risque, donc quand tu dis une vis qui manque et le tout ne marche plus, c'est vrai, mais il y a aussi une tentative en fait, de quelque chose qu'on essaye d'atteindre et qu'on n'atteindra peut-être jamais, mais on essaie toujours d'y arriver quelque part avec les moyens qu'on a à ce moment-là.